bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui il s'agit de parler de quelques fleurs, hein, pas beaucoup beaucoup, parce que j'ai envie plus de me recentrer sur les émotions du moment, alors que ce soit voilà, la situation actuelle en France et dans le monde. Et puis aussi, eh bien, bah, ce qui se passe aussi sur le plan, on va dire, environnemental, avec notamment les inondations qui se sont produites bah, cette semaine, hein. Donc en Allemagne, voilà, en Belgique et dans certains pays du Nord, avec ces inondations et ces effondrements. Et donc voilà, c'est une période assez troublée et encore une fois, peut-être qu'il faut aussi s'armer de patience et de paix et de tranquillité, quoi qu'il advienne. Voilà, on a été touchés bien sûr, nous aussi en France, depuis de nombreuses années avec tous ces événements. Alors que ce soit dans le sud de la France ou donc dans le sud plutôt vers Toulouse ou vers qu'est-ce qu'il y a eu aussi bah, le Var et également du côté aussi voilà de Languedoc-Roussillon et puis là la vallée de la Roya l'année dernière. Et donc, bah, ça peut aussi attiser et faire appel aussi, enfin, j'ai attisé les émotions en tout cas, et faire appel aussi des fois à notre sang-froid, à notre sang-froid par rapport à la peur, parce que voilà, ça peut être aussi des moments où on n'est plus dans la capacité non plus de faire face à ce qui se passe. Et donc, bah, Mimulus, j'ai pensé à prendre cette fleur-là voilà, pour vous la conseiller. Mimulus, je remettrai le nom, l'orthographe. Mimulus, elle parle de toutes les peurs identifiées. Et quand on a peur de l'avenir, quand on a peur des événements, quand on a peur d'être touché et impacté, bah alors soit dans notre santé, soit justement bah, par rapport aux événements climatiques. Et donc tout ce qui peut avoir un impact, bien sûr, sur les biens personnels, sur l'argent, sur le devenir de l'homme, sur le devenir de l'humanité, de la planète, de notre santé, de nos emplois. Voilà, c'est vraiment Mimulus, c'est la fleur des peurs identifiées et de tout ce que je peux nommer, de tout ce dont j'ai conscience en tout cas, et je peux dire, voilà, je peux parler de ce que je ressens à l'intérieur, de ma crainte, de ma peur, et je peux voilà, dire de quoi il s'agit en fait. Et évidemment, en ce qui concerne la semaine dernière, plus cette semaine, ça fait peut-être un peu beaucoup pour certains. On n'est pas tous armés, bien sûr, de la même façon, en termes de gestion émotionnelle ou en termes de gestion, c'est pas de la, comment dire, il n'est pas question de gérer, mais en tout cas en termes de qualité de gestion, en tout cas de l'information, c'est plutôt ça que je voulais dire, hein. Et donc, bien sûr, on aimerait tous vivre dans un monde tranquille, sans épreuves. Et puis, bah, depuis que nous sommes nés, même des fois intra-utérin, vous le savez, on a tous eu des histoires qui viennent bah, de nos ascendants et qui font qu'on est aussi des fois porteur d'une histoire. Donc, bah, la vie, on le sait, est peuplée d'épreuves, d'embûches en permanence, hein. Alors ça dépend de chacun, bien sûr. Tout le monde n'a pas, on ne peut pas tous se comparer les uns aux autres, mais enfin, que nous soyons, quoi que nous ayons pu vivre, que nous soyons d'un milieu social extrêmement riche, aisé, ou moyenne classe ou très pauvre, de toute façon, ça touche tout le monde, on est d'accord. Donc, ce monde auquel on aspire tous, bien, la première chose à faire, peut-être, c'est déjà d'accueillir ce qui est dans cette gestion, justement, de l'information au mieux que nous pouvons. Comme nous le pouvons, bien entendu, on n'a pas tous les fleurs de Bac à côté de nous, on n'est pas tous pro-fleurs de Bac, en tout cas, vous savez que ça existe et que vous pouvez aussi vous soutenir émotionnellement dans les moments où vous sentez que vous perdez pied et que la peur est trop présente. Et donc quand la peur est trop présente avec Mimulus, eh bien on est dans l'insécurité, on vit dans la peur, et quand on vit dans la peur, eh bien souvent on se déclenche aussi bah, des pathologies, des maux, quels qu'ils soient, des fois des petits maux bénins, mais ça commence comme ça, et puis après bah, ça peut se terminer de façon un peu plus soutenue, on va dire. Donc, dans la mesure du possible, si on peut être en paix dans cette tempête, et je sais que c'est bien compliqué aussi, c'est bien le propre de l'homme, c'est de vivre cette tranquillité, cet apaisement et cette sérénité malgré les apparences et malgré que nous soyons aussi dans le tumulte aussi de la vie et dans cette machine. Alors,
Nous ne sommes pas tous impactés par ceux qui ont vécu des inondations ou qui ont été impactés par toutes les annonces de la semaine dernière. Mais en attendant, on ne peut pas non plus se soustraire au fait que nous pouvons tous, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, par extension, on va dire, ou même par analogie avec un événement, être impacté de façon personnelle, déjà par empathie, tout simplement, peut-être tout simplement par amour aussi de l'individu, en disant que voilà, on peut être aussi, on peut se sentir bien sûr blessé, touché, sensibilisé par ce qu'il se passe. C'est très compliqué quand même de faire de la distance par rapport à tout ce qui nous arrive, même si nous ne sommes pas a priori des Belges ou des Allemands ou des Néerlandais ou je ne sais quel pays qui sont arrivés voilà tout ceci ou en France ou ailleurs où c'est et par extension je peux parler bien sûr des guerres il y en a plein actuellement dans le monde et tout ce qui peut arriver sur le plan climatique et qui n'est pas simplement lié à ce qui vient de se passer ici et maintenant depuis 2 jours ou 3 jours hein. Donc voilà on peut aussi ressentir de la crainte dans ce tumulte même si nous-mêmes nous avons a priori des vies confortables dans lesquelles nous pouvons encore évoluer avoir une certaine sécurité on va dire hein. Donc voilà Mimulus et puis alors pour pas que le cerveau s'emballe et prenne le relais de cette peur qui va alimenter bien sûr tous les scénarios possibles que l'on peut se faire et s'inventer ou pas, parce que des fois on ne s'invente pas, on est quand on est dans le tumulte et quand on est vraiment impacté par la situation concrète, ça n'est pas le fruit de notre imagination, on est vraiment dans la crainte réelle parce que nous sommes dépossédés, nous sommes vraiment au cœur du sujet, de la tempête, donc forcément ça n'est pas qu'un film qu'on se fait, mais justement pour calmer le flot aussi des pensées, donc White Chestnut, qui est la fleur. Voilà, de la préoccupation mentale, et quand on dit préoccupation, on pourrait même dire des fois obsession mentale, parce que on parle aussi de cette fleur avec ses émotions qui sont présentes et qui vont assaillir l'esprit, le mental, les pensées, et qui vont prendre tellement de place que nous ne sommes plus présents à nous-mêmes dans ce que nous devons vivre, même si par exemple j'ai perdu ma maison. Eh bien, le fait d'être dans cet esprit qui est tout le temps tourné vers cette histoire que je me répète en boucle, ça ne m'aide pas à être ici et maintenant, peut-être pour faire le nécessaire, pour acter, je ne sais pas, demander de l'aide ou même prêter main forte aux autres qui sont peut-être encore plus démunis que nous ou qui ont, voilà, qui vivent des situations encore pire que nous. Mille et une choses qui font que de toute façon, qu'on soit dans la tempête ou qu'on ne le soit pas, quand on a l'esprit trop préoccupé de la situation que nous traversons, ça nous empêche d'être efficace, de pouvoir nous raisonner avec discernement aussi. Parce que quand ce cerveau est en boucle, alors il y en a qui, bon, c'est vrai que dans notre jargon, on a tendance à appeler le disque rayé, le petit vélo dans la tête. Maintenant, on parle de hamster hein, dans les roues. Voilà, c'est peu importe le mot que vous allez utiliser par rapport à ça, de la gamberge, de la rumination mentale, de la préoccupation mentale, de l'obsession mentale. Quand le cerveau ne lâche pas prise, en fait, est tout le temps en boucle sur quelque chose qu'il se répète. Et qui, souvent, évidemment, qui assaille la nuit, parce que lorsqu'on va se coucher le soir, on peut éteindre la lumière, mais là-haut, c'est toujours allumé, en fait. Hein. Et c'est comme s'il y avait, avec White Chestnut, cette sorte d'interrupteur qui fout la paix aussi au mental et qui dit, allez, stop, maintenant, ça suffit, décroche et dors. Donc voilà. Et puis, j'avais envie de terminer sur du rescue, parce que je ne l'évoque pas souvent, mais là, c'est vraiment de rigueur. Donc Rescue, voilà pour ceux qui connaissent, alors on peut l'appeler 39e fleur, remède de secours, remède d'urgence, ce que vous voulez. Bon voilà, c'est souvent comme ça qu'on le connaît. Hein. C'était le premier mot, enfin le premier nom que Bach avait donné à ce flacon, qui est jaune, donc on le distingue bien, mais encore une fois, si c'est une autre marque, vous le trouverez sous une autre marque, peu importe. Ce remède de secours, ce Rescue, c'est un composé de 5 fleurs de Bach à l'intérieur. Donc il y a Star of Bethlehem pour tout ce qui est choc, séquelles d'un choc, tristesse, deuil, chagrin. Il y a Rock Rose pour tout ce qui va concerner la terreur dans les moments de grand stress. Hein.
La terreur, la peur qui bloque et qui nous empêche de faire face avec courage aussi à la situation. Il va y avoir de l'impatience qui va calmer aussi cette irritabilité et cet énervement qui va faire qu'on a envie aussi que les choses, on est un peu dans la précipitation. Il y a Cherry Plum qui est la peur, mais vraiment pour le coup de devenir dingue, hein, de craquer, de péter les plombs, de peut-être de vociférer, de hurler, d'être hors contrôle en fait, hein, par rapport à ce qui n'arrive dans le cadre du stress. Et puis la dernière qui est donc Clématis. Alors je ne vous donne pas, il n'y a pas d'ordre, hein, je vous le donne comme je me souviens dans mon esprit. Et Clématis, c'est vraiment la fleur des moments où on a tendance à déconnecter de la réalité parce que justement on a tendance aussi à s'échapper et à fuir, pourquoi pas. En tout cas dans ce contexte-là, puisque rescue en anglais c'est sauvetage. Et c'est vraiment le rescue qui va nous aider dans les moments les plus urgents de nos vies, en fait. Hein. Et donc, quand on apprend une très mauvaise nouvelle, bah, comme nous avons appris, comme je redis, les intempéries, ou la semaine dernière, enfin non, c'était cette semaine, voilà, vous savez, tout ce qu'on peut, entre guillemets, prendre en pleine poire, hein, et encore, je ne cite que ces deux exemples-là, mais bien sûr, il y en a tout le temps des mauvaises nouvelles, hein, des annonces qui choquent. Alors, ça peut être bien sûr dans votre entourage proche, hein, quelqu'un qui apprend la maladie, quelqu'un qui apprend qui n'a pas le repêchage au bac, enfin, je ne peux pas citer tous les exemples, hein, je me suis basée sur quelque chose en début de la vidéo, mais bien sûr, par extension, vous comprenez bien que tous les mots que j'emploie face à ces situations-là, sont encore une fois copiables, collables sur d'autres situations qui fait que voilà, c'est vraiment des moments où je suis dans un tel choc émotionnel, un tel bouleversement émotionnel, une telle incapacité à faire face à l'événement, un tel déploiement aussi, pourquoi pas, un déclenchement physiologique d'hormones de stress qui font que d'un seul coup, je ne suis plus vraiment moi-même. Et c'est ça qui fait que Rescue, donc dans ce sauvetage, dans ce côté urgence, va pouvoir aider à rééquilibrer de façon assez rapide et pour faire face justement à l'urgence de la situation et ne pas perdre ses moyens en faisant n'importe quoi, en n'étant plus capable non plus d'être vraiment dans la capacité soit de penser avec sérénité, soit d'agir de façon efficace, soit d'être présent parce qu'il faut être présent, parce qu'il n'y a peut-être pas que nous dans cette situation. Enfin, vous voyez, il y a plein dans ces cinq fleurs-là, on va retrouver aussi bien sûr ce calme qui va être caractéristique avec impatience. Et puis de Cherry Plum aussi pour pas. Voilà, ne pas exploser, pas disjoncter, ne pas s'affoler, ne pas avoir aussi un peu de rationalité pour essayer voilà, de relativiser en disant, bon, allez, ok, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, alors, il faut toujours nuancer mes propos parce que ça dépend bien sûr de la situation, hein, mais voilà, Rescue, c'est vraiment un flacon à avoir sur soi. Voilà, sur soi ou dans sa poche ou dans son sac, ce que vous voulez, dans votre sac de voyage. L'idéal, c'est presque d'en avoir même plusieurs, un près de sa table de nuit, un dans son sac, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, une mauvaise nouvelle, hein, ça, quelque chose qui nous choque, quelque chose qui nous perturbe, on peut être aussi témoin d'une situation, hein, voilà, même visuellement, on apprend l'information, même si on n'est pas impacté, encore une fois, et impliqué de façon personnelle, on peut quand même avoir les chocs et les séquelles d'un choc, juste à la vision. Voilà, par exemple, de journaux télévisés ou d'informations je sais pas moi, sur la revue qu'on a entre les mains, le journal, les réseaux sociaux sur nos téléphones, peu importe. Hein. Voilà, c'est toujours utile d'avoir vraiment le rescue avec soi parce que ça va déjà calmer le jeu, de pouvoir, comme je parlais de gestion de l'information, c'est-à-dire vraiment d'être en capacité aussi de pouvoir prendre du recul aussi et être en adéquation aussi avec qui nous sommes au meilleur de nous-mêmes pour pouvoir faire face à toutes nos obligations et ne pas sombrer dans ces moments-là. C'est toujours délicat de parler des fleurs de Bac et puis des effets entre guillemets des fleurs ou du rescue parce que ch chacun va y mettre son vocabulaire, chacun va y mettre son ressenti.
Non seulement ça, et aussi en fonction de chacune des situations que nous allons traverser. Parce que si on a du rescue sur soi et qu'on a appris une mauvaise nouvelle et qu'on a pris du rescue 4 gouttes, hein, c'est toujours 4 gouttes qu'on prend, et on a expérimenté à un moment donné de notre vie, et puis 6 mois, 2 mois plus tard, un an après, peu importe, on a une situation encore qui nous bouleverse et on a la présence d'esprit aussi de prendre 4 gouttes de rescue, on aura d'autres mots, d'autres façons d'agir, parce que déjà on aura peut-être évolué, peut-être que la situation ne sera pas, comment dire, d'un degré émotionnel comparable. C'est très difficile bien sûr de comparer une situation avec une autre. Chacun va comprendre que c'est lui qui a besoin de réconfort, de retrouver sa maîtrise, sa patience, sa capacité de faire face avec courage à l'événement, avec une échelle de valeur qui lui est propre, enfin de valeur, en tout cas de valeur émotionnelle, hein, et cette gestion de l'information qui lui est propre, parce que rien n'est comparable en fait. Donc ça reste toujours très vague, et en même temps, moi ce que je vous invite à faire aussi, c'est, si vous n'avez jamais pris de rescue, par exemple, c'est de demander à ceux qui en prennent autour de vous, ceux dont vous connaissez la pratique et vous dites, bon, bah, tiens, je vais lui poser la question. Demandez, en fait, comment ça s'est passé pour lui, pour elle et dans quelles circonstances. Et à force d'entendre des témoignages aussi sur du rescue, bien évidemment, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de l'avoir sur vous. Donc, si ça devait arriver, c'est vraiment l'occasion de l'essayer. Et des fois, c'est vrai qu'aussi, on peut vivre des événements sans avoir la présence d'esprit pour du rescue, hein. Ça peut aussi arriver. Et des fois, c'est même plusieurs heures après, plusieurs jours, où on s'est dit, mais je suis encore sous le choc et j'ai vraiment pas pensé à le prendre. En fait, des fois, on est tellement dans un état de sidération que ça nous tombe dessus et on est coupé aussi de nos capacités, justement, à raisonner aussi avec bon, je reprends le même terme, un discernement logique c'est des vertus auxquelles on doit faire face dans les moments où on est dans le brouillard le plus total par rapport à justement une situation qui nous met à mal. Donc c'est rescue, ça nous fait sortir de tout ça. Et donc, si c'est plusieurs heures après, mais qu'on est encore dans les effets post-choquants, post-traumatiques, on va dire, alors sans évidemment, je ne rentre pas dans les détails aussi du terme médical parce que ça n'est pas ce domaine-là, mais malgré tout, il y a un petit traumatisme, un petit tsunami émotionnel, un bouleversement émotionnel, une tempête émotionnelle, appelez-la comme vous voulez, peu importe. Et là, eh bien, on va pouvoir se faire accompagner, en tout cas être soulagé de façon rapide sur la situation et on va retrouver nos moyens. Et puis, peut-être des fois, on apprend des choses aussi. On est en plein volant, on apprend des choses à la radio. Donc, des fois, il faut aussi faire face à ses capacités aussi motrices pour pouvoir ne pas mettre en danger la vie d'autrui ni la nôtre. Hein. Donc, mais qu'il y a des fois des circonstances où c'est bien aussi d'avoir du rescue sur soi. J'espère avoir été un peu accompagnante, en tout cas sur les conseils que je pourrais donner par rapport à l'utilisation de Mimulus, de White Chestnut et puis de Rescue, parce que les temps sont peut-être à un moment donné de plus en plus aussi perturbants, on va dire, hein, et on va être peut-être amené chacun dans nos vies, quelle qu'elle soit, à vivre aussi des bouleversements émotionnels, peut-être de plus en plus intenses, ça dépend aussi de chacun, encore une fois, peut-être que dans cette intensité, à force de prendre du rescue, peut-être qu'on, je dis pas qu'on accusera les coups et qu'on pourra s'en prendre comme ça jusqu'à la fin de nos jours, mais c'est sûr que quand on prend du rescue, quand on prend des fleurs de Bac, on ne devient pas insensible, hein, c'est pas ça le but, hein, des fleurs de Bac, évidemment que non. Mais on a des fois une perception aussi, alors ça dépend encore une fois, de l'annonce même, hein, de ce que l'on prend évidemment en pleine face, mais des fois le fait de prendre depuis un moment des fleurs de Bac ou du Rescue, alors je vous le rappelle, Rescue c'est la 39e fleur pour Bac, hein, donc Bac considère que ces 5 fleurs de Bac là équivalent à une seule fleur, et bien des fois pour certains en tout cas le fait d'être accompagné depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années avec les fleurs de Bac ou le Rescue, et bien on est aussi dans des facultés émotionnelles qui sont non pas encore une fois distanciées au point d'être carrément insensibles parce que c'est pas le but, on restera qui nous sommes avec les fleurs de Bac et le Rescue, mais on sera dans une capacité d'ouverture et d'accueil de l'émotion, déjà avec moins de
on sera moins réfractaire, en tout cas, à l'accueil de cette émergence aussi de ce festival hormonal, hein, parce que d'un seul coup, sur la neurochimie, les stress, c'est quand même assez présent. Et on pourra être aussi en capacité d'écoute de ce qui se passe, de cet éveil, et d'aller chercher aussi peut-être plus du réconfort assez rapidement que de passer à travers en étant complètement chamboulé, bouleversé, et affolé, paniqué. Et en fait, ça ne résout pas le problème. Ça nous affaiblit au contraire, hein. Ça nous fatigue et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de garder le plus possible nos esprits, la tête claire et faire face aussi à l'épreuve avec courage en étant là, présent, en prenant les choses à bras le corps pour pouvoir avancer, hein, parce que le but, c'est d'être au mieux que nous puissions être dans chacune de nos situations. Et encore heureux, on a des moments de répit, donc tout va bien, donc profitons-en avant la prochaine vague, parce que voilà, préparons-nous à ce qu'il y ait des fois des tsunamis de temps en temps. À bientôt.